Avec ses paysages somptueux, sa météo capricieuse, ses terrains techniques et la ferveur des supporters, Zegama est certainement l'une des courses que les coureurs affectionnent le plus. Ce ne sont pas moins de 30 000 spectateurs qui se rendent sur les bords des sentiers le jour de la course pour acclamer les coureurs. Cette foule infatigable a construit au fil des années la légende de Zegama Aizkori, aussi connue sous le nom de Fièvre Basque. Cette année, le Marocain Houssine El Azaoui est arrivé à la deuxième place du classement lors de la course qui s'est tenue dimanche au Pays Basque. La course dans le début, c'est pas vraiment c'est très difficile. Il est très très froid et c'est très technique et il pleut beaucoup. Mais je réussis jusqu'à la fin. Cette année, il faut faire avec le top 3. Et grâce à l'expérience de 5 années avec la Golden, maintenant ça commence à donner. Le Kenyan Robert Matayengo a terminé 5e du classement comme l'année dernière. Zegama est la première épreuve de la saison du circuit Elite Golden Trail World Series. Après cette première course épique, le Golden Trail World Series mettra le cap sur Chamonix pour le marathon du Mont Blanc qui se tiendra le 25 juin.